Oui, bonsoir, Monsieur Kems Media. Voilà, nous venons comme ça de célébrer la 4e édition de la Journée internationale de la femme à Washington. Il y avait le monde, les gens ont aimé l'événement. Au sorti de cet événement, quelles sont vos impressions? Vraiment, j'étais vraiment satisfaite. J'étais surprise de voir tout ce monde qui ont renouvelé leur confiance en venant assister pour la 4e fois à cette célébration de la femme dans cette belle et somptueuse salle du Hampton Conference Center. Donc, j'étais tout simplement satisfaite et je dis vraiment merci à ce public venu nombreux nous soutenir pour la 4e fois. Ça veut dire qu'ils ont cru en notre projet. Et quelles sont vos perspectives pour les années à venir? L'année prochaine, nous célébrerons le 5e anniversaire du Lady Night. Ce sera la 5e édition. Et ça aura lieu le 9 mars 2024. Et nous promettons de corriger les manquements qu'il y a eu à cette 4e édition parce que chaque année, nous essayons de nous améliorer. Parce que vous savez, la perfection n'est pas de ce monde. Quel est ce message que vous allez donner à tous ces hommes qui ont participé à cet événement? Je demande à ces hommes d'être toujours près de leur femme parce que vous savez, comme on le dit dans la Bible, la femme c'est la moitié de l'homme. Donc ensemble, quand vous êtes à deux et que vous êtes soudés, vous réussissez mieux. Voilà, je vous demande tout simplement d'encourager vos épouses, d'être présents, de les assister si besoin se sent et surtout de les chérir. Parce qu'à deux, vous êtes plus fort. Seul, vous n'allez pas aller loin. Alors, quel est le dernier message à toutes ces dames, toutes ces femmes aujourd'hui dans le monde entier qui souffrent des abus des époux? Oh, je demanderais tout simplement à ces femmes de ne pas baisser les mains, de se battre pour essayer de revendiquer leurs droits, de parler, de ne pas garder le silence, de ne pas mourir en silence. Parce que quand vous avez des problèmes et que vous le gardez pour vous-même, le problème, il vous ronge. Si vous avez un souci, essayez de parler aux gens, essayez de chercher l'aide à l'extérieur. Et comme ça, là, vous pouvez résoudre ce problème. Donc, je conseille toujours que c'est le dialogue qui est la clé de toute chose. Parce que quand vous êtes en couple, essayez de vous comprendre, essayez de communiquer, essayez de voir ce que l'autre aime et ce que l'autre n'aime pas. Et à partir de là, vous allez vous améliorer. Voilà, nous allons terminer cet entretien en disant bonne fête à vous également, vous qui êtes l'initiatrice de cet événement de Lady Night à Washington. Bonne fête à vous et surtout bonne continuité dans cette même lancée. Merci Kems Media et je tiens à dire merci à tous ce public qui étaient ici ce soir nombreux, ils ont abandonné toutes leurs activités pour venir assister, glorifier la femme. Voilà, nous vous disons merci et nous prions pour que vous regagnez vos domiciles sans problème et nous espérons que nous vous reverrons l'année prochaine, plus précisément le 9 mars pour la 5e édition de la célébration de la Journée internationale de la femme. Merci. Kems Media. Un moment de paix, Patrick Dengue Adouala, Patricia Jim, l'étoile montante, à Koro.